puisqu'on est dans la semaine des personnes à mobilité réduite, hein, des personnes handicapées, donc nous avons tenu à quand même organiser cette manifestation de manière à montrer aux valides qu'il y a de la place pour tout le monde dans le milieu du sport, qui est un milieu assez sélectif, un milieu assez sévère. Quand on n'est pas sur ses deux jambes, on n'est pas vu. Et alors que ces gens-là sont des personnes à part entière, non des personnes entièrement à part. Donc, le but de cette manifestation, effectivement, c'est de les intégrer et de créer une continuité à cette journée de manière à développer dans ce club, le Tennis Club du Robert, un groupe de personnes de ce style-là qui permettra à d'autres de venir et de gonfler le potentiel de ces gens. Donc voilà, on essaie de promouvoir le tennis à fauteuil roulant. Moi je suis au Diamant, si on peut faire quelque chose, très bien. On est intégré aujourd'hui totalement à la FFT, donc les personnes qui sont handicapées, qui veulent venir jouer dans les clubs, peuvent venir s'inscrire sans problème. Voilà, on a fait une démonstration aujourd'hui, on en refera probablement d'autres. La ville est ravie d'accueillir ce 19 mars la première manifestation pour les personnes à mobilité réduite, et particulièrement dans le cadre de cette semaine du handicap, l'activité tennis-fauteuil. C'est un projet qui est à l'initiative de l'association Tennis Club. Donc pour nous, c'était une première et surtout l'occasion d'appréhender un milieu qui nous est pour l'instant méconnu et de savoir comment au mieux accompagner et l'association en matière de logistique et en matière d'organisation sur de telles manifestations. Les projets dans les escarcelles sont la pérennité de ce type de manifestation. Donc pour la ville, c'est quand même important d'avoir un banc d'essai et de savoir ce qui nous attend et quelles sont les attentes d'une association de ce type de public pour faciliter leur vie au quotidien et l'activité loisir comme ils en ont droit, au même titre que tout le monde.